Alors, Jean-François Rivière, bientôt 40 ans, entraîneur-joueur à Niort-Saint-Florent, un quartier de Niort au niveau BH. Donc, tu es un ancien joueur professionnel. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ta carrière, quel club tu as fréquenté et les niveaux que tu as pu. Dans lesquels tu as évolué? On va essayer d'aller assez vite. Des petits clubs amateurs au départ de quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai joué ici en saison 92-93 à Saint-Brieuc, au moins 17 ans en national. Ensuite, je suis parti à la Coupe nationale à Paris et là, j'ai eu plein de clubs. Donc, je suis parti à Auxerre. Après, j'ai fait Laval, j'ai fait Amiens, Besançon l'année de Ligue 2, Niort, Angers, Ajaccio, Clermont-Ferrand, Ajaccio. Donc, une grosse carrière de joueur professionnel. Est-ce que quand on est joueur pro, on a le temps de se préoccuper justement de cette facette du métier d'entraîneur, d'éducateur? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais à l'époque? Alors, très jeune, dans les années fin des années 90, j'avais passé initiateur 1 et 2. Et ensuite, je me suis arrêté. C'était pas quelque chose forcément dans lequel je me sentais à l'aise. Et peut-être aussi le fait que je voulais pas forcément passer par des équipes de jeunes. Donc voilà. Et puis après, je me suis formé à autre chose. J'ai passé un diplôme en coaching, management et préparation mentale pour le monde du sport et de l'entreprise. J'ai fait autre chose. Mais aujourd'hui, un diplôme qui m'aide aussi dans tout ce qui est coaching, management et prépa mental. Forcément, dans le sport, c'est primordial. Donc, c'est très très bien. Et puis, lorsqu'on m'a donné la possibilité d'être entraîneur d'un club, j'ai accepté et il se fallait pour être performant d'avoir des outils compétents et des bonnes bases de travail. Ouais, donc, par rapport à ton historique en termes de formation, diplôme dont tu me parlais, passer le brevet d'entraîneur football, c'est tout sauf un hasard, c'est vraiment un choix et c'est quelque chose qui est dans la continuité finalement de ce que tu as pu faire auparavant. Oui, parce que finalement, effectivement, je n'étais pas obligé de le passer le diplôme, mais c'est hyper important. Et je vois la différence entre mes premiers entraînements du mois d'août et depuis que je suis ici, ça a complètement changé et c'est tout ce qu'on apprend est nécessaire pour vraiment grandir en tant qu'éducateur. Dans quel sens ça va au-delà de ce que tu attendais en début de formation? Ça va pas au-delà de ce que j'attendais, parce que je suis vraiment venu pour tout ça, mais il est vrai que entre vivre les choses de l'intérieur en tant que joueur et animer les choses, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai qu'en tant que joueur, je faisais les exercices qu'on me demandait sans forcément réfléchir à ce que le coach avait prévu pour, même si il y a toujours le côté tactique et intelligence de jeu qui est à l'intérieur, mais le rôle d'éducateur c'est beaucoup plus profond que ça et là du coup on est dedans et c'est là que c'est bien parce que moi je mets enfin des exercices ou des situations en fonction d'un thème abordé et là ça prend vraiment tout son sens. Tu arrives déjà à l'appliquer auprès avec ton équipe de Niort-Saint-Florent? J'arrive un peu à l'appliquer, ceci étant c'est pas forcément évident dans le monde amateur parce qu'effectivement on n'a pas forcément tout le monde. Il faut prendre l'état de forme de chacun, les infrastructures, prendre énormément de choses, mais j'ai envie de grandir, de faire grandir le club avec lequel je travaille. Donc il faut se donner aussi le temps de faire les choses correctement et de ne pas vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. Le BEF, là, sur cette saison, quatrième semaine de formation, en termes de gestion, justement, des compétences assimilées, du travail à fournir en amont, pendant, un peu après aussi, comment tu le gères? Est-ce que c'est beaucoup de demandes, quand même? Oui, c'est difficile, mais c'est pas un diplôme que l'on donne. Malgré un passé que je puisse posséder, je sais très bien que si je l'ai, c'est parce que je le mériterais, non pas parce que mon passé fera parler de... parler des choses. Donc c'est une charge de travail énorme qui vient en plus de l'entraînement, qui vient en plus de la situation professionnelle. Donc c'est vrai que c'est une charge de travail énorme, mais c'est un diplôme aussi qui est reconnu et qui peut nous amener derrière des choses encore meilleures. Donc c'est tout à fait normal. Par rapport aux saisons précédentes, à chaque fois les candidats au BEF disaient que l'ambiance de groupe, de travail était vachement importante pour rythmer le quotidien de la formation. Est-ce que ça se renouvelle à nouveau sur cette promotion-là? Tu confirmes que l'échange avec tout le monde est riche en tout point?
ce qui est vraiment riche, et finalement, c'est ça, chaque personne est unique, arrive avec son passé, son présent, et on va piocher ce qu'on a envie de prendre. Et c'est vrai qu'il y a énormément de bienveillance dans cette promo, comme celle d'avant, parce que je connaissais quelques joueurs qui ont passé l'année dernière. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a plus d'écart de niveau. Lorsqu'on est entraîneur, on est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Et ce qu'on a pu faire avant, on s'en moque, c'est maintenant comment on fait pour vivre ensemble, comment on avance ensemble. Et on est vraiment dans le partage, dans l'échange, que ce soit ceux qui s'occupent des jeunes ou ceux qui s'occupent des seniors. Il y a quand même des choses hyper importantes à apprendre et ça fait grandir tout le monde et c'est génial.